Conseil Tiner, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo d'un hébergement web gratuit, voire à des prix très 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 corrects. Donc on va voir ça de suite. Le site actuellement s'appelle inovins.tk au moment où je fais cette vidéo, qui va être renommé en inovins.com. Bien sûr, si vous tapez inovins.tk et que le nouveau site inovins.com est sorti, vous aurez une redirection qui vous ramènera sur inovins.com le temps que tout le monde s'habitue que c'est inovins.com et non inovins.tk. Mais pour le moment, il s'appelle inovins.tk, il est en fin de développement. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo, pour que la vidéo soit postée au moment à peu près où le site officiel va sortir. Donc voilà, le site Inovins avec un petit logo avec accueil offre contact. Donc là on est dans la page d'accueil. Donc Inovins, l'innovation au maximum. Donc on voit un petit peu les hautes performances, panel de gestion unique, anti-DDoS, certificat SSL, livraison rapide, connexion à 1 gigabit par seconde. Découvrez nos hébergements web VPS. Donc voilà, pour le moment on ne fait pas de VPS, on fait uniquement du web. Donc on peut voir le tarif par mois. Donc là, on peut voir que c'est minimum, enfin que c'est à partir de 50 centimes par mois, donc vraiment peu. Après, voilà. On a bien sûr la version gratuite, mais c'est une version, on va dire, d'essai. Donc, il n'y aura pas énormément de GA et tout ça, donc on sera limité. C'est vraiment pour tester la machine et voir ce que ça donne. Donc, l'hébergement web, le VPS, le dédié ne sont pas encore, ces deux-là ne sont pas encore disponibles. Par mois c'est 50 centimes et annuel on n'a pas mis de tarif, mais voilà, 50 centimes x 12 vous avez votre tarif annuel. Donc configurer, donc voilà, on peut configurer. N'hésitez pas à nous contacter, notre support, pour une offre sur mesure si jamais vous avez besoin d'un hébergement web avec un certain nombre de gigas de stockage, un certain nombre de bases de données, tout ça. Donc quel que soit votre environnement de travail, Inovins vous offre ses services. Donc voilà, 99% disponible, donc pas de problème, support très réactif, certificat SSL gratuit via l'est en script. Donc rejoignez notre Discord, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous ramener sur notre Discord. Le mode de paiement accepté sont PayPal. Pour le moment, là, juste du PayPal. Nous n'avons pas encore de réseaux sociaux au moment où je fais cette vidéo. Donc, on a de l'hébergement web. À propos contact, certaines ne sont pas tous remplies. Nous avons du coup notre adresse de contact. Si jamais vous avez besoin d'informations sur une offre ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à la contacter. Le support est disponible sur Discord de 9h à 22h et par mail, c'est à peu près les mêmes horaires. Là, pas de problème à ce niveau-là. Donc, voilà pour la page d'accueil. Donc ensuite, si on va mettre notre flèche sur offre, nous avons hébergement web, add-on web, hébergement VPS, serveur dédié. Donc on va commencer bien sûr par l'hébergement web. Donc voilà, meilleur hébergement, pourquoi nous choisir? Donc voilà, pourquoi choisir le meilleur plan qui vous correspond. Donc avant de commencer par là, on va commencer par le essentiel. En savoir plus. Pour le essentiel, 2 Go de RAM, 2 noms de domaine, 2 sous-domaines, 2 boîtes mail, 2 comptes FTP, 2 bases de données. On peut installer bien sûr du WordPress si besoin, du Drupal ou du Joomla aussi, et le certificat SSL gratuit. À partir de l'essentiel jusqu'à Premium, vous avez de l'aide si jamais vous avez un problème avec votre interface de client, alors que le Free, vous ne l'avez pas. Donc voilà, pour l'essentiel, 50 centimes par mois, donc à tout petit prix. Hein. Donc après, vous avez Expert aussi à tout petit prix, 1 euro par mois, donc 3 Go de RAM, 5 noms de domaine, 5 sous-domaines, 5 boîtes mail, 5 comptes FTP supplémentaires, 5 bases de données, WordPress et le certificat SSL bien entendu. Donc voilà, là, un peu plus de gigas et un peu plus du coup de nom de domaine et de boîte de base de données. Mais bon, après, étant donné que vous avez 3 gigas et que les sites généralement ça pèse, allez, on va dire à 200 MO pour un petit site et presque 1 giga pour un très 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 gros site. Donc voilà, vous pouvez du coup avoir, on va dire,
Bah déjà, 5 maximum sites web qui utilisent une base de données. Et après, vous pouvez avoir des petits sites avec des petites redirections, mais très simples, où c'est qu'il n'y a pas besoin de base de données. Vous pouvez en avoir 15, 20, 30, 50 sans avoir de problème de base de données. Ou sinon, vous fusionnez deux sites sur la même base de données. Ça risque de faire un petit peu de la merde, surtout au niveau du WordPress. Mais après, c'est comment dire, des. Des bases de données, excusez-moi, où c'est que là que deux tables, vous pouvez rajouter deux autres tables en plus, ça va pas vous mettre trop en difficulté, c'est ce que j'ai fait sur certains sites. N'ayez plus de limite dans votre création de site web, donc là pas de premium, on passe un peu plus sur du haut de gamme, donc 5 gigas, les noms de domaine illimités, les sous-domaines illimités, les boîtes mail 15, donc pas mal déjà. Compte FTP supplémentaire 15, donc base de données 15, WordPress, certificat SSL. Donc voilà, après là c'est la premium. On peut voir du coup avec une offre personnalisée qui se passe sur Discord. Le tarif va varier vu que ça va être une formule sur mesure. Donc on va pas faire, si vous avez besoin de 150 gigas, on va pas vous faire facturer 3000 euros alors que vous avez besoin que de 150 gigas et une base de données quoi. Ben voilà, vous voyez un petit peu le truc. Donc tout se passe sur Discord. Vous aurez bien sûr du WordPress, que ce soit que vous prenez une formule personnalisée à 5 euros ou à 10 euros, vous aurez du WordPress et un certificat SSL gratuit. Donc pour ça, après, vous avez la version free. Donc pour ça, faut créer un ticket sur Discord pour cette formule. Donc c'est 0 euros pendant 7 jours. Donc voilà, c'est pas grand-chose. Vous avez 500 MO, une base de données, un nom de domaine, un sous-domaine, une boîte mail, un compte FTP classique, vous n'en avez pas en plus. Et puis WordPress et certificat SSL. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est vraiment pour tester, ce n'est pas pour héberger vos sites, c'est pour tester la qualité de nos serveurs, si ça peut correspondre à vos besoins ou pas. 500 MO, c'est suffisant pour un petit site. Après, on peut dire, si vous avez un gros site, vous le faire passer en 1 giga, si vous avez un très gros site, pendant 7 jours. Mais voilà, ça, il faudra nous contacter sur Discord, nous préciser, et puis voilà, et puis nous, on pourra voir combien vous consommez en termes de giga, s'il faut plus. Si les 1 giga vont être justifiés ou si les 1 giga ne vont pas être justifiés, voilà. Donc voilà pour les offres web. Donc après les caractéristiques incluses, donc on fait des sauvegardes très souvent d'ailleurs. Je ne sais pas, ils sont planifiés, donc je ne sais pas tous les combien de temps ils se font. Bon, de la haute disponibilité. Donc voilà, livraison rapide. Hein, vous commandez, vous l'avez une heure max, 2 heures max, vous les avez quoi, vitesse au débit. Le support 24 heures sur 7, les certificats SSL, donc voilà, vraiment pas mal de petits trucs. Après, si jamais, voilà, par exemple, vous avez la version expert, donc du coup 3 gigas et 5 noms de domaine, enfin tout ça en 5, et que vous n'avez pas assez, vous pouvez aller voir dans offre, dans add-on web, pour aller récupérer du coup quelques gigas, quelques MO en plus selon ce que vous désirez. Donc là par exemple on avait pris la premium avec 2 avec 3 gigas. 3 gigas c'est trop limité pour vous, donc c'est un tarif à 1 euro, hein, il me semble que c'était l'expert, oui c'est ça, à 1 euro, c'est trop limité. Vous avez besoin de 2 gigas de plus par exemple pour que ça vous fasse 5. Donc vous prenez la formule l'addon Allure. Donc voilà, vous récupérez 2 gigas en plus sur vos 3, donc ça vous fait 5 gigas. Vous avez déjà 5 noms de domaine, donc vous en avez 3 en plus. Donc voilà, vous avez des comptes FTP supplémentaires, des bases de données en plus, des sous-domaines en plus. Donc voilà, vous avez de quoi faire en plus. Après, voilà, c'est au moment où je fais cette vidéo, le site est en fin de développement. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez des tarifs, voilà, 50 centimes, ça se trouve. À la version officielle, ce sera peut-être 40 centimes ou 60 centimes ou voilà, de ce style-là. Et par exemple, là c'est 500 MO pour l'active, ce sera peut-être 1 giga pour l'active ou 200 MO pour l'active. Donc tout dépendra de ça.
mais ça risque pas de bouger énormément la RAM, pas énormément. On ne peut pas passer de 500 MO à 50 MO par exemple, ou de 100 MO à 1 MO, ce sera impossible. Donc voilà, après le Allure, ça peut peut-être passer, on va dire, à 3 gigas, 2,5 ou 1,5, enfin voilà. Ça peut varier de quelques petits trucs, vous pourrez avoir des noms de domaine en plus ou au moins, donc l'actif par exemple 2, vous passerez peut-être à 4, et puis les autres augmenteront, et puis voilà, ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est un petit complément, sans forcément, voilà, vous êtes à la formule expert, donc pour les offres web, à 1€, et vous voulez pas prendre celle à 5€ par exemple, vous pouvez rajouter la donne Allure pour que ça vous fasse un petit peu moins cher et puis d'avoir un petit peu de stockage en plus. Donc là, hébergement VPS, c'est prochainement, serveur dédié prochainement aussi. Pour la catégorie contact, donc le site est assez simple et très rapide à naviguer dessus. Donc nous avons nos contacts, vous pouvez nous envoyer un mail directement, donc depuis votre boîte mail, Gmail, Outlook, ce que vous voulez, en rentrant l'adresse contact@inovins.tk et en nous demandant des informations sur un produit ou une demande de partenariat, donc contact partenariat, ou un problème sur le site, bien sûr, webmaster@inovins.tk. Tout ce qui est site, je vous serai reconnaissant d'envoyer directement sur webmaster et pas de l'envoyer sur contact ou contact partenariat. Ils vont pas traiter votre problème, donc vous pouvez les contacter à propos d'un problème de site, jamais ils vont vous répondre. Ou si vous contactez le webmaster pour un problème de bug de site, et puis que vous lui parlez d'un contact de partenariat et tout ça, il ne va pas vous répondre et votre demande ne sera pas traitée. Et malheureusement pour vous, vous n'aurez pas de réponse. Donc là, c'est voilà, un contact, vous avez des problèmes sur le site web, envoyez un message. Donc là, c'est pour des problèmes sur le site web, donc le prénom, l'adresse email, l'URL de votre problème. Donc si vous avez des problèmes sur l'hébergement web, vous mettez l'adresse web de hébergement web, donc c'est inovins.tk/hébergement-web, donc voilà, vous la mettez là-dedans, vous rencontrez votre bug et vous pouvez bien sûr, si vous pouvez, nous mettre une image JSON, ce qui permettrait de voir le problème plus facilement aussi et le traiter rapidement. Puis après, nous avons le contact partenariat. Donc voilà, demande de partenariat, envoyez un mail soit directement contact partenariat, soit en bas vous avez un petit formulaire à nous remplir, c'est très simple, ça évite que si vous nous contactez sur contact partenariat, qu'on vous redemande c'est quoi votre nom, prénom, êtes-vous déjà un client, enfin voilà, ça nous fait gagner du temps à nous comme à vous, ça évite voilà, qu'on s'échange 3-4 mails pour avoir des informations basiques alors que vous aurez fourni de base, on aurait gagné 4 mails quoi. Donc voilà, quel type de partenariat, Facebook, YouTube, donc ça faut aller voir sur Discord, le règlement on va dire là-dessus, il faut avoir un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues, un certain nombre de j'aime, enfin voilà, des trucs comme ça, donc il faut aller sur le Discord pour en savoir un peu plus. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus, donc le site est pour le moment, au moment où je fais cette vidéo, en mode maintenant, donc vous ne verrez rien du tout, vous aurez une page comme ceci, le site en cours de maintenance. Normalement, là, c'est le logo du site. Le mode maintenance est activé. Voilà, le site sera bientôt disponible. Merci de votre patience. Donc, merci d'attendre. Ça sert à rien de nous spammer sur l'adresse mail. Ça sert à rien de nous spammer sur Discord. Si c'est le mode maintenance est mis, c'est que le site n'est toujours pas mis officiel. Et vous verrez dans l'annonce, toutes les informations que vous nous demanderez seront traitées. Quoi, à la fin. Voilà. Donc je vous dis ciao ciao et à plus pour le prochain.